Monsieur le préfet, monsieur le délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine, en ce jour solennel où le peuple Fousse célèbre ses 906 ans et un agréable séjour sur la terre d'hospitalité que nous appelons à Fousse. En effet, mesdames et messieurs, nous célébrons cette année la 453e édition du festival biennal Nikin. En place pour que la danse commence. Il nous va... Tout à l'heure, Lys, on parle de remise des diplômes pour la DEPSAM. Nous devons dire également félicitations à la Miss ADEPSAM 2012. C'est une maman, Madame Louise Loé. Of course not. Yes, JDK. Also to our department job. Dance of warriors who defend our culture and our tribe. Today, those warriors are called. En 2012, la communauté Bafoussa offre ses galas culturels. Vous souhaitez une bonne fête de fin d'année 2012 aux habitants et aux pisteurs de la ville de Bafoussa. Le jeudi ou le dimanche. Après ce meeting, ce sera le parquet. Le parquet interviendra le lundi 14 janvier 2013. Le mardi 22 janvier 2013, c'était notre rendez-vous de nom à nos invités. C'est le NIFO. Et avant le concert, nous aurons un nouveau cas. Sans oublier cette foire de 2 semaines au niveau du village de la foire. C'est au stade d'Algérie, s'il vous plaît, Siméon. Thank you.
Il a envie de masse. Hein. Il devant aux gens de. Voilà. Prenez-nous, Rabat, prenez-nous. On va porter un peu de pluie. Prenez à ça. Des Djiba, dis-moi pardon. Je suis bien habitué à ça. Les images de Trump. Très beau avec la force et la tradition très important et je suis honoré que je peux être ici avec mes amis et avec la famille. Mon père, monsieur Klaus Paysan, il était un notable ici vers les Pamileke et vers les Tika à Nso. Et à Babungo. Can you traduce us in English? Yes. Okay. Now, I'm. Position you about the culture. I'm very impressed about this very strong traditional initiation. I enjoy it very much, and I'm here to make a cry for my late father, Klaus Paysan, who was a notable here in the Pamileke country and in Banso and Babungo and so on. Thank you. What's your name? My name is Maurice Paysan. Quelle est l'importance de cette danse pour le peuple Fusa? Merci beaucoup. Comme vous l'aviez remarqué, le Parmenjon, c'est la danse guerrière Bafoussa. C'est le Menjon. Et le Menjon, vous le savez, c'est l'armée. Et aujourd'hui, l'armée s'est transformée aussi en une armée culturelle qui permet à la fine fleur, la fine génération de Bafoussa, de pouvoir montrer aux yeux du peuple et même de tous nos invités que Bafoussa reste dans ses fondements culturels. Sa Majesté, que peut-on retenir des présidents des États? Vous savez, chaque édition a sa spécificité et je pense que l'organisation de l'édition en cours, la 453e édition, a ceci de plus particulier qu'elle a voulu qu'elle soit populaire, que la participation soit massive et je pense que depuis que nous avons commencé le 18 novembre, à ce jour, nous pensons que c'est sur les bons rails, ce festival. Qu'attendez-vous du peuple pour les prochaines étapes? La grande mobilisation que nous constatons de manière permanente, les forces vives de l'intérieur, les forces vives de l'extérieur, nous comptons sur leur soutien, leur présence permanente et surtout la communication autour, n'est-ce pas, de cet événement à nul autre pareil. Merci, Sa Majesté. Merci infiniment.
Ok. Oui, ça va être ça. Ça tourne. Oui. Président, que peut-on retenir de la danse parmi nous d'aujourd'hui? Oui, c'est vraiment l'apothéose. Vous avez vu l'affluence. Ça veut dire que le peuple bafoussan est fier de sa culture. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'une danse guerrière, c'est toujours quelque chose qu'on n'a jamais vu ou alors qu'on a envie de voir. Et vous avez constaté vous-même qu'il y avait la foule. C'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a que les guerriers pour participer à cette danse? Et oui, ça c'est comme nous avions dit tout à l'heure, ça c'est une danse jadis réservée aux guerriers. Bon, aujourd'hui la guerre, ça n'existe plus. Donc, pour l'instant, nous pensons que l'élite représente les guerriers du village. Président, quelle est la symbolique des cornes de buffle qu'on voit entre les mains de, et même des fruits rouges, ouais, dans les lèvres des danseurs? Oui. Ça signifie quoi? Oui. Les cornes de buffle, vous savez, dans le temps, comme on disait jadis, quand on allait en guerre, il fallait prouver ce que vous avez pu rapporter en guerre. D'autres amenaient les crânes, d'autres amènent les os. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, il n'y a plus de guerre. C'est ce symbolique-là, quoi. C'est-à-dire que maintenant, un chasseur qui va à la chasse revient avec la corne des buffles, la côte de l'éléphant, ainsi de suite. Et le feu rouge. Et le feu rouge. Vous savez, le guerrier, quand il va à la guerre, il n'a pas sa marmite. Il ne peut se nourrir que des fruits. Ça, c'est un exemple de fruits qu'il se nourrissait en. Merci, président. Merci beaucoup.